Voilà le résultat final de la vidéo, de la fabrication de la salle de bain. Donc la salle de bain avait 20 ans, on l'a démontée complètement et on a refait cela. Donc les meubles, on a fabriqué les meubles sur mesure. Voilà, on voit dans le petit encart la salle de bain après démontage et dépose de tout l'ensemble, carrelage, douche, lave-meuble, lavabo et baignoire. Donc on voit que le béton cellulaire n'a pas apprécié le démontage et est très abîmé. Donc là, nous sommes obligés de recouvrir tous les murs avec du placoplâtre, du BA13 en largeur de 60 qu'on recolle sur les murs. Donc on a choisi du 60 puisque c'est quand même plus facile pour monter au premier étage de notre maison puisque la salle de bain est au premier étage. Donc voilà, on voit que ça s'arrange un peu. Karine est en train de faire les bandes de joint en papier et moi également. Là je suis en train de réaliser une bande de joint entre une bande d'angle entre le plafond et le mur pour éviter que ça fendille. Voilà, on va attaquer un peu la peinture. On va mettre un satiné blanc sur toute la pièce. Là, je suis en train de réaliser l'étanchéité de la salle de bain, ce qui sera sous le carrelage pour pouvoir carreler et que l'humidité ne passe pas à travers. Voilà, on donne les dernières touches de peinture. Et on voit les spots là qui pendent, c'est pour nous éclairer un peu mieux. Voir un peu mieux ce qu'on fait. Voilà, là je suis à l'étage en dessous et je suis en train de raccorder l'eau chaude, l'eau froide et les eaux usées. J'ai refait l'installation complète et donc j'ai fait un grand trou dans le plafond de l'étage en dessous pour pouvoir accéder et faire ces raccordements et je reboucherai tout ça par la suite. Voilà, là on installe la baignoire et le cache-baignoire qui sera carrelé par la suite. Bon, là on voit que les carrelages, on a commencé à carrer, j'ai commencé à carrer. Bon, ça, faire les trous pour le mitigeur de douche, c'est pas ce qu'il y a de plus aisé dans des carrelages aussi durs que celui-là. Je me suis servi d'une cycloche au diamant. C'était long, mais ça a fonctionné sans casser le carrelage. Donc là, voilà. Ça tombe pile poil, j'ai pris la mesure avec le laser qu'on voit à gauche sur la vidéo. Voilà, on voit un petit coup de laser, c'est ça qui m'a permis de bien noter l'emplacement des trous. Et là, je mets des petits carrelages, c'est un genre de... pour faire une petite déco, j'alterne petit carrelage et grand carrelage. Voilà, donc le carrelage se termine là, en tout cas pour la douche. Là, je finis la tablette. La tablette que j'ai faite pour qu'il y a deux utilités, poser le gel douche et ainsi de suite. Et d'autre part, décaler ma vidange de la douche qui tombait dans une poutre de béton. Donc j'ai décalé de 10 cm. Donc là pareil, j'en fais les trous pour le mitigeur, ça s'est bien passé également. Voilà, donc on voit là sur la petite... incrustation à droite, la douche terminée avec un petit bas-relief que Karine a fait et que j'ai collé avec du Sikaflex sur le carrelage. Bon, il est temps de poser la porte coulissante. Là, j'ai posé tout seul les panneaux de verre fixes, mais je ne me sentais pas de le faire tout seul pour la porte coulissante qui fait un poids de chien. Et puis, j'ai pas envie de la casser, donc j'ai demandé de l'aide à Karine et à Mélanie. Donc voilà, donc c'est une porte qui s'accroche, les roulettes s'accrochent dans l'alu du dessus et qui se fixe, elle coulisse, c'est fini. Il y a un amortisseur de chaque côté pour ouverture, fermeture de la porte. On se retrouve dans mon atelier où je vais fabriquer les meubles de la salle de bain. Donc il y aura trois meubles, un horizontal, deux horizontaux et un vertical. Là je suis en train de tenonner et faire les tenons mortaises pour assembler ce premier meuble qui est le meuble qu'on voit devant nous dans l'incrustation. C'est lui avec deux tiroirs en dessous du lavabo. Donc vous verrez que c'est du fibracolore, c'est un bois, c'est un MDF noir.
teinté dans la masse et que je double sur les parties extérieures pour faire semblant d'être épais. 2 x 19 mm. Là, c'est la fabrication du tiroir que je recouvrirai d'une face en chêne clair avec une poignée, des poignées larges. Donc voilà, là je vais faire un essai de. Enfin, je vais positionner à blanc mes meubles pour pouvoir terminer ma vidange et mon arrivée d'eau, savoir exactement à l'endroit où elles seront et exactement l'endroit de. Voilà, je positionne le meuble haut qui doit s'adapter parfaitement au plafond. On le voit, ma toiture est donc à 45 degrés. J'ai fabriqué le meuble qui suivait parfaitement. Enfin, j'ai essayé en tout cas de suivre parfaitement la pente du toit. Et par la suite, je ferai le troisième meuble une fois que celui-ci sera calé. Voilà, là on attaque le parquet. Donc on voit sur la petite vidéo à gauche comment est ce parquet. Donc c'est un parquet spécial pont de bateau. C'est-à-dire que quand vous assemblez deux lattes ensemble, il reste toujours un écart de 5 mm. Que je remplirai par la suite avec du Sika Flex, du Sika 290 DC, Sika noir, que je poncerai par la suite. Donc voilà, à chaque interstice, il reste 5 mm d'écart. On ne le voit pas bien sur le sol. Et vous pouvez voir sur une autre vidéo que j'ai faite, je laisserai le lien dans le descriptif, une vidéo que j'ai faite avant. J'ai fait un pont de bateau qui est beaucoup plus parlant. Enfin, c'est pas un pont de bateau, c'est un pont de bateau dans mon camion. Donc voilà, on voit un petit peu le produit fini, enfin le pont de bateau, le calfatage terminé, poncé et huilé. Donc ça, c'est le rebord de fenêtre. Et on a vu que la fenêtre était devenue noire, on l'a repeinte avec une bombe de peinture. Donc voilà, là je mets le Sika dans les fentes. Bon, ça n'a pas été évident du tout. J'ai mal filmé, mais voilà, j'ai rempli chaque interstice avec le Sika et là je suis en train de poncer et on voit que le résultat commence à se dessiner. Voilà, on voit dans l'incrustation à droite le sol fini. Voilà, là maintenant il est temps de passer aux choses sérieuses. Les deux premiers meubles sont finis et posés. Et je vais installer la vasque. C'est une vasque en pierre naturelle, polie à l'intérieur et brute à l'extérieur. Elle est noire, noire granité. Donc après plusieurs mois, beaucoup de mois d'usage, on s'aperçoit que ça fonctionne bien. Qu'elle se nettoie bien, que tout l'ensemble d'ailleurs de cette salle de bain est très pratique et reste dans son état d'origine. Donc voilà, là je vais poser le mitigeur. C'est un mitigeur dévié. Voilà, ça prend forme. Voilà, ça y est, Karine. Attaque le vernis, enfin pas le vernis, c'est de l'huile dure de chez Boiron. C'est une huile. Voilà, en effet, toute la maison, tous nos sols sont pratiquement en teck, pratiquement toutes les pièces, et on a fait une finition avec cette huile dans toutes les pièces. Enfin, c'est une bonne finition pour le teck. Donc voilà, on avance, on avance, on avance, ça se termine. Salle de bain terminée, le sol fini, meublé et utilisé.